Bonsoir mes chers amis, Chanukah Sameach. On est ce soir la troisième bougie de Chanukah et toujours une joie de se retrouver donc autour de ce cours, plus en direct comme c'était le cas la semaine dernière, donc ici de Yerushalayim avec une lumière peut-être un peu plus kadosh, bien qu'il y a d'autres lumières qui se sont éteintes, c'est celle du Qatar qui ont essayé d'éblouir notre bougie à nous. Et comme racontait une fois un Shaliach Haman, il voulait allumer une Chanoukia dans un grand centre commercial et c'était en pleine fête de décembre. Et il a dit, qu'est-ce que notre petite lumière va pouvoir éclairer là où il y avait de telles décorations, de telles lumières. Il a écrit au Rabbi, il lui a dit, ne t'inquiète pas, allume la Chanoukia. Et il allumait la Chanoukia. Vous imaginez, je ne sais plus dans quelle grande ville c'était aux États-Unis, il y a une coupure d'électricité et plus d'électricité dans tout le centre commercial. Donc tout le monde est arrivé où? Autour de la Chanoukia. Et là, il a pu expliquer à tous les gens qui n'avaient rien, nulle part où aller. Donc il a raconté donc l'éternité de ces lumières, comme quoi donc il faut des fois l'obscurité pour apprécier la lumière de Hanouka. En tout cas, nous sommes aussi la veille de ce Shabbat, le Shabbat de Miketz, et cette paracha tombe toujours, comme vous le savez, pendant Hanouka. Alors, on a déjà eu évidemment un premier cours la semaine dernière, donc d'introduction à la fête de Hanouka, et on va poursuivre. Alors, comme je l'annonçais avant le début de l'enregistrement, donc ce soir, donc un peu un aspect nouveau, puisqu'on va essayer de s'attarder cette année sur une partie de notre tradition, du rituel. Cette fois-ci, ce sera de la Haftara. En effet, vous savez que quand il y a un seul Shabbat, la Haftara qui est lue est tirée du prophète Zacharie en français. Et on va voir que, bon, évidemment, le choix, lorsqu'on va essayer de comprendre pourquoi ce texte a été choisi, est plus qu'évident, puisqu'on parle de la vision que Zacharie a eue de la menorah, comment est décrite le candélabre du deuxième temple. Et c'est évidemment un peu logique qu'on ait choisi un texte pareil pour la fête de Hanouka. D'ailleurs, cette même Haftara est lue à une autre occasion, c'est la paracha de Beha'alotra et Tanerot. Donc, dans ce qu'on parle également de l'éclairage de la menorah, cette fois-ci dans le tabernacle, dans le Mishkan, et c'est aussi cette même Haftara qui est lue. Donc, apparemment, le choix est plus qu'évident. Avant d'attaquer la Haftara, j'aimerais revenir un petit peu donc sur la paracha. La paracha de Miketz, les Chachamim vont essayer de comprendre quel peut être le lien. Ils vont voir énormément d'allusions dans cette paracha concernant la fête de Hanouka. Outre le personnage de Yosef qu'on a déjà présenté, on sait qu'il est intimement lié à Hanouka. On va le revoir donc ce soir aussi. Il y a quelques passages dans notre paracha qui font allusion, comme c'est rapporté au nom du Shilte Giborim, puisque lorsque Yosef invite tous ses 10 frères à manger avec lui, il y a des Chachamim qui expliquent que ce repas, c'était pendant Hanouka. D'autres disent que c'était un repas qui a eu lieu pendant le Shabbat de Hanouka. Donc vous imaginez bien que cette paracha tombe juste le Shabbat de Hanouka, où Yosef se serait réuni avec tous ses frères en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé à ses enfants de préparer, donc de faire la shérita, ou tvoar teva vehachen. Donc, va aller faire la shérita et préparer. Et vehachen, achen, c'est de là d'ailleurs que le Chachamim voit et préparer. Préparer, comme c'est pour le Shabbat, donc on doit préparer à l'avance. Donc ce terme, ce verbe est toujours utilisé pour le Shabbat, ce qui fera dire à nos Chachamim précisément que c'était un Shabbat. Donc ce repas a eu lieu pendant le Shabbat. D'autre part, on nous dit, si je prends la dernière lettre, outvoar, c'est un chet, vehachen, si je mets le chet avec le mot vehachen, et tu prépareras, donc ensemble, ça donne le mot Chanouka. Donc encore une allusion à Chanouka. Utvoar Tevar, donc les Chachamim disent aussi, ils ont fait le calcul, donc Tevar c'est 19 et 19 c'est 38,
plus le Vav, plus 6, c'est 44. On nous dit que ce sont les 6, les 44 bougies de Hanouka, avec évidemment le chamash. Donc, autant d'allusions qui nous permettent de voir ici, lorsque, par exemple, Yosef va offrir à son frère Binyamin 5 fois plus, donc Chamesh Yadot, on nous dit, 5, littéralement 5 mains. Et dans quel texte on trouve le 5 fois le mot yad? Eh bien, dans le paragraphe que l'on rajoute à Hanouka, mais me'atim be'yad rabim, donc il a mis les peu nombreux entre les mains des nombreux, les faibles entre les mains des puissants, et 5 fois, 5 reprises, donc il y a le mot yad. Donc une allusion qu'on voit aussi dans cette paracha où 5 fois, il y a donc ce que Yosef a donné, 5 fois plus, 5 mains de plus littéralement à son frère. Donc tout ceci, c'est très beau, ce sont des allusions. Donc encore une fois, ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas bien entendu l'essentiel. L'essentiel, c'est de rappeler que Yosef est descendu en Égypte à cause de ses rêves, et c'est aussi à cause des rêves, ou grâce maintenant à ses rêves, qu'il va accéder au poste de vice-roi. En effet, c'est le seul qui va interpréter les rois, les rêves du pharaon, du roi, au début de notre paracha, et le maître Échanson l'avait complètement oublié. Évidemment qu'il ne voulait pas le citer. Quand est-ce que, pourquoi il a mis 2 ans alors que ça faisait déjà Miketz Shnataim, au bout de 2 ans que Yosef poireautait? Donc normalement, et c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, il aurait dû rester 10 ans. 10 ans parce qu'il a rapporté donc des paroles de calomnie contre ses frères. Et comme ils étaient 10 frères, donc il avait écopé de 10 ans de prison. Pourquoi ces 2 années supplémentaires? Les Chachamim nous disent parce que il a demandé à 2 reprises. Donc il a insisté, il a demandé avec insistance au maître Échanson. Alors est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le nécessaire pour ne pas avoir à compter sur des miracles? Certainement. Cette notion s'appelle chez nous la hishtadlout, donc l'effort humain. Dans toutes les entreprises qu'on doit évidemment faire et avoir dans ce monde, on ne peut pas rester les bras croisés et attendre que la providence divine nous envoie la Parnassa ou le Zivoug ou autre. Donc on doit faire ce qu'on appelle la hishtadlout. Pourquoi on a tenu rigueur? Donc, des commentaires concernant la fin de la paracha de Vayeshev nous le disaient, entre autres, Rabbeinu Bechaye et autres nous expliquent qu'au niveau de Yosef, c'était quelque chose qui ne convenait pas à son niveau, pas parce qu'il ne comptait évidemment pas sur Hachem, mais lui, à son niveau, il ne pouvait compter que sur Hachem. Et c'est pour ça qu'il est resté 2 années supplémentaires. Qu'est-ce qui a fait que le maître Échanson, donc ce ministre qui a eu, oui, la vie sauve grâce à l'interprétation de Yosef, donc pourquoi il a vu que tout le monde tentait d'interpréter dans tous les sens cette fille qui allait vivre, cette fille qui allait mourir? Donc tout a été tenté. Et pourquoi Hachem a voulu? Parce que si Yosef était venu donner directement son interprétation, évidemment que tous les mages auraient dit oui, mais il fallait nous demander à nous d'abord. Donc on a laissé d'abord tout le monde faire une tentative. Lorsque le ministre en question a vu que le pharaon était en train de mourir, littéralement, parce qu'on ne trouvait pas la solution à son rêve, il s'est dit, si jamais il venait à mourir et qu'on nommait quelqu'un d'autre, je risque de perdre ma position, mon poste. Et c'est ce qui l'a motivé, donc pas du tout dans l'intérêt de Yosef, ça s'est jamais vu, mais dans son propre intérêt. Et c'est la raison pour laquelle il va intervenir auprès du pharaon pour que celui-ci fasse sortir Yosef. On dit que le jour où Yosef est sorti de la prison, c'est un jour de Rosh Hashanah. On dit qu'il s'est présenté devant le roi du monde. Donc il a été jugé et il a été sauvé. Alors, par rapport à ce qu'on avait déjà commencé à dire la semaine dernière, donc on va assister dans cette paracha aussi à un miracle. Le miracle, c'est entendre dans la bouche de quelqu'un comme le pharaon, ben, qui mieux que toi qui a pu interpréter pour gérer,
la situation qui s'avoisine, à savoir cette année d'abondance, comment on va, si tu as les techniques pour garder, pour conserver pour les 7 années de famine à venir. Donc, quelqu'un qui a Ruach Elohim, donc, et prononcer le nom de Dieu dans la bouche d'un pharaon, même si, comme vous le savez, pardon, lorsque Moshe arrivera, et pour essayer de libérer le peuple juif, il demandera, mais qui est ce Dieu que je n'ai jamais entendu parler? Alors, soit, si je dis que c'est le même, ben, il a été frappé d'Alzheimer. Donc, on sait très bien que lorsque tout va bien, donc on se rappelle de Dieu, mais lorsque, plutôt l'inverse, lorsque on a besoin de lui, on se rapproche, mais lorsque tout va bien, on a tendance à l'oublier. Et donc, c'est vraiment une illustration parfaite de Pharaon qui, lorsque tout allait bien, n'avait pas besoin de ce Dieu. Ou alors, comme la deuxième version, rapportée aussi par le Midrash, c'est un autre Melech, Yakom Melech Hadash, c'est un nouveau roi. Donc, soit la première version qui dit que c'est le même, mais avec des nouveaux décrets, donc c'est, ou alors nouveau parce qu'il avait oublié tout le bien que Yosef avait apporté à son peuple et à son pays, ou alors c'était vraiment un nouveau et celui-ci ben, n'avait jamais entendu parler effectivement de ce Dieu. Quoi qu'il en soit, donc Yosef va gérer. Pendant 80 ans, il va être le vice-roi. Et on avait dit qu'il y avait déjà une allusion, puisque par prophétie, le père Yaakov avait déjà donné, donc dans cette tunique, Passim. Passim, on avait dit parmi plusieurs explications qui avaient été données, Passim, c'est P, la première lettre, P, c'est 80, et Sim, Samer Yud Mem, la valeur numérique 110. Donc P, 80, tu vas 80 ans, tu vas être roi, tu vas régner sur l'Égypte, et Sim, 110, et tu vas vivre au total 110. Donc il est accédé, il est arrivé au trône, donc à l'âge de 30 ans, plus les 80, donc il mourra à l'âge de 110 ans. Voilà un petit peu pour ce qui est des événements de la paracha, avec la rencontre avec Binyamin, et lorsque le pharaon va le nommer officiellement le vice-roi, le peuple vient se plaindre parce qu'il a exigé que tout le monde soit circoncis, donc c'était une réforme révolutionnaire. Le pharaon a dit, vous voulez manger, il n'y a pas le choix, il faut suivre ce qu'il vous demande de faire. Donc tout le monde va se circoncire. Dans un premier temps, et comme Yosef savait que c'était une prophétie, les rêves qu'il avait eus, lorsqu'il avait parlé de 11 tiges de gerbes qui se prosternaient, lorsque 10 frères seulement se sont présentés, il a dit, c'est pas bon. Pour l'accomplissement de cette prophétie, il faut le 11e. Donc c'est pour ça qu'il insiste pour faire venir Binyamin. Certains disent que c'est une mise à l'épreuve des frères, d'autres disent non, parce qu'il savait pertinemment que son rêve, sa prophétie devait se réaliser, et lorsque les 11 viendront et se prosterneront, donc là, on verra donc la culmination, vraiment l'accomplissement de ce rêve, de cette prophétie, et lorsque son père viendra, donc ils vont se prosterner aussi parce que c'est le roi et que tout le monde doit se prosterner. Donc tous les rêves deviendront réalité et avant l'arrivée dans la paracha de Vaïgash la semaine prochaine du père, puisque lorsque Binyamin est retenu prisonnier, là c'est Yehuda qui s'était porté garant, qui va devoir prendre la défense, et ça, c'est le début de la semaine prochaine dans Vaïgash, où il va affronter enfin Yosef, avant que celui-ci ne révèle finalement qui il était véritablement. Alors, par rapport à ce lien que l'on peut faire donc avec la fête de Hanouka. Donc on voit ici par rapport au personnage de Yosef dont on avait dit que dans le Mégalé Amoukot que je n'avais pas lu, qui se trouve donc dans la paracha de Va'etranan. Donc on sait que il a écrit un ouvrage, le Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapira. Il avait écrit 252 explications sur Eabelana. Donc, parce qu'il voulait traverser Moshe, c'est Vaetranan, 515 prières pour que Dieu laisse rentrer en Israël. Et
Dans Mégalé à mon côte, il prend donc ce terme-là, il l'explique de 252 façons différentes. Donc vraiment, c'est du génie. C'est un ouvrage qui a à peu près 5 siècles, plus ou moins, mais vraiment d'une profondeur extraordinaire. Et dans l'allusion 252, voici ce qu'il nous dit. Antiochus, qui s'écrit avec un seul vav à la fin et pas au milieu, la même gématria que Yosef, 156, chez Shaya Melech Yavan, Shehu Gamken Gematria Yosef, aussi 156, Velachen Amar, et pourquoi tout ceci? Pour expliquer ce décret dont on a déjà un peu parlé, sur lequel on va revenir. Quittez-vous al Keren Shor chez En Lachem Chelek Belok Israël. Écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Ki Yosef Nimshal Leshor. Et l'explication, c'est que Yosef, comme vous le savez, est symbolisé par le shor, par le taureau. Kakatouv, comme c'est écrit, Bechor Shoro Hadarlo, dans la prière que Yaakov fera avant de mourir, dans la paracha de Vayechi, où il compare son fils Yosef au taureau. Sheyatzamimenu Yehoshua binun, pourquoi? Parce que Yeshua était un descendant de Yosef. Shekavash Haaretz, Vekocho Haya, Kekoach Hashor. Et donc, de qui a hérité cette force Yehoshua? De son ancêtre, donc Yosef, qui est comparé à un taureau, donc par rapport à la force qu'il avait. Alors, quand on va voir également, donc voilà, on va voir également par rapport à ce que je disais, c'est que le Khatam Sofer nous avait déjà donné cette explication très belle sur laquelle on n'était peut-être pas, on s'était pas arrêté. Donc, pour ce qui est des gerbes, le premier rêve, c'était, on avait dit que c'était des gerbes. Et on retrouvera 5 fois le mot Aloumim, Aloumod, donc Aloumotechem. Le terme de gerbe est utilisé à 5 reprises. Et on verra que ceci est une allusion au fait que les frères, on va inclure une fois dans la paracha de Vayikra, lorsque, après la mort du père, les frères viendront se prosterner une 5e fois devant Yosef. Donc, ils vont se prosterner 5 fois, pas moins que 5 fois. 4 dans notre paracha et une dans Vayikra, donc assez révélateur du rêve qu'avait fait Yosef. Ou certains disent parce que dans le mot Vehine apparaît aussi à 5 reprises. Donc on va voir que cette notion de prosternation est évoquée à 5 reprises ici, donc et avec la paracha de Vayikra. Pourquoi? Parce que ça fait partie, encore une fois, de cette prophétie. Donc, si je dis que ces deux rêves, comme le Khatam Sofer nous l'avait expliqué, les gerbes, c'est le pain, c'est une fête où il y a une seouda, c'était Pourim. Le soleil et la lune, c'est le temps d'allumage de la Chanoukia. Mais on a du mal à voir, donc, où est-ce qu'il y a une prosternation? Donc, à Pourim, effectivement, comme vous le savez, lorsque, dans le 3e chapitre, on va imposer, lorsque Dieu va, Moshe, pardon, le roi Achashverosh va nommer Haman vice-roi, et là, donc, tout le monde va devoir Koraim ou Mishtachavim, les Haman. Donc, tout le monde avait l'obligation de se prosterner, et à part, comme on l'a déjà vu, Mordechai qui lui, Loïchra, il ne se prosternera pas. Et même Haman lui a dit, mais pourquoi si ton ancêtre s'est prosterné devant le mien? Il lui a dit, oui, peut-être mon ancêtre, mais pas mon père. Binyamin ne s'est jamais prosterné devant ton ancêtre Esav, et moi, je ne me prosternerai jamais devant un descendant de Esav. Donc, il y a cette notion de se prosterner. Alors, par contre, pour ce qui est de Hanouka, c'est un peu plus difficile. On ne voit pas exactement où il est question de prosternation. Alors, il y a un texte dans Tosfot Yom Tov, dans la Mishnah, où on nous fait remarquer qu'il y avait donc une muraille qui s'appelait Soreg. Et lorsque, par exemple, les Goyim, les gens d'autres nations venaient pour offrir un sacrifice, s'il le désirait, au Beth Amikdash. Donc, il devait, et ça s'est rapporté dans le premier livre des rois, chapitre 8, donc les versets 41 à 43. Donc, il pouvait venir, mais il devait connaître les limites. Donc, c'était Eser Amot, donc c'était un petit muret, même pas 1 mètre. Et s'il voulait
évidemment rejoindre l'autre côté, c'est-à-dire rejoindre le peuple juif, là il fallait évidemment se convertir. Donc, mais pour faire un don ou une offrande, donc il devait rester de l'autre côté de la barrière, c'est comme ça que c'est rapporté. Lorsque les Grecs ont réussi à conquérir la terre d'Israël, donc la première chose qu'ils vont faire, et c'est rapporté dans le fameux chant de Hanouka, Ufaretsu Chomot Migdalai. Ils ont défoncé les murailles de notre tour. La tour, c'est une allusion au temple, et ils ont défoncé quelle muraille? Ben on parle ici de Soreg. Mais défoncé, les Chachamim viendront nous dire qu'ils ont fait 13 brèches. Donc, ils ont fait 13 brèches dans cette muraille pour symboliser qu'il n'y avait plus de limite entre les Juifs et les non-Juifs. Lorsque les Hashmonaïm vont rentrer dans le temple, ils vont voir ces brèches, ils vont les colmater et ils vont instaurer 13 prosternations dans le Beth Amikdash. Donc, c'est comme ça que c'est rapporté dans nos textes. Donc, c'est pour, quand on dit qu'on a colmaté, ils ne sont pas contentés, évidemment, de boucher les brèches qu'avaient fait les Grecs, mais ils ont imposé que maintenant le peuple juif devait se prosterner. Quelle est la symbolique de la prosternation? On comprend bien, c'est se soumettre à Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on va voir avec l'explication que le Zohar va nous donner quant à ce chiffre 25 symbolique de la date où tombe la fête de Hanouka. Alors, parce que, et c'est comme ça que c'est rapporté, quel était le but des Grecs de Yavan? L'himnoa, c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, et ha-hoda'a ve-ha-chri'a me-Hashem. Donc, de tout faire pour éviter que nous soyons reconnaissants, donc de remercier Hachem, Ve'achra'a et la soumission. Et le symbole justement de la prosternation, c'est la soumission à Dieu. Et il voulait à tout prix éradiquer justement du peuple juif ces deux notions, l'Ehallel ou le Hoda'a, et c'est ce qu'on retrouve justement dans le texte que les Chachamim ont fixé dans Al-Anissim. Qu'est-ce qu'on est venu à Hachem? Donc on est venu se soumettre à Hachem et le remercier. Donc exactement ce que les Grecs ont voulu justement nous enlever de force, eh ben nous, par la célébration de Hanouka aujourd'hui, et même si, comme c'est rapporté, il n'y a pas de repas obligatoire, mais il est bon de faire des repas dans lesquels on parle des miracles qu'Hachem a opérés pour le peuple juif à cette époque et encore aujourd'hui, pour ceux qui sont capables de voir. Alors, le Béni Issachar, donc un texte magnifique, un peu profond, qui nous parle des mois, qui nous parle aussi des fêtes, eh ben, concernant le texte de Hanouka, c'est des choses extrêmement profondes. On n'a pas forcément, nous, la compréhension de tout ce que le Béni Issachar, mais il résume ceci en disant « Levatel chochmat ha-Torah ». Qu'est-ce que les Grecs cherchaient à tout prix à faire au peuple juif? « Levatel » annuler la sagesse de la Torah. Autrement dit, qu'est-ce qu'il voulait? Que le peuple juif ait une sagesse, oui, mais pas noten à Torah, mais ne pas dire que cette Torah venait du ciel, que c'est une sagesse humaine, que c'est peut-être Moshe entouré de ses sages, ça, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'elle est d'origine divine, ça, c'est quelque chose contre laquelle les Grecs se sont battus becs et ongles. Et mes amis, et c'est triste de faire ce constat, mais il faut croire qu'ils n'ont pas entièrement perdu cette bataille, parce qu'encore dans nos rangs, on entend des fois des arguments de cet ordre-là, à savoir, mais d'où on sait que la Torah, ou tout ce qui apparaît dans la Torah est d'origine divine, et ben, sachez que ça, c'est l'héritage premier des Grecs, parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient, nous faire douter de l'origine divine de la Torah. Ou le Hagbir Chochmot Chitsoniot, c'est comme ça qu'apporte dans le langage du Béni Sacha, c'est pour donner plus de place à les sagesses extérieures. Eh bien, tout ce qu'on appelle la Chochma, Imiesh Chochma Bagoyim, c'est comme ça que c'est rapporté. Si on te dit dans Echa Rabba, chapitre 2, Im Yomar Adam, si quelqu'un dit Yesh Chochma Bagoyim Ta'amin, bien sûr que chez les nations, chez l'homme, il y a la Chochma. Ve Im Yomar Lecha Yesh Torah Bagoyim, si on vient te dire qu'il y a la Torah chez les non-juifs, chez les nations, Al Ta'amin, tu ne peux pas croire. Donc oui, il y a une sagesse, évidemment. Et on a voulu justement faire en sorte que la Torah soit considérée comme une autre sagesse. Et par exemple, moi,
Je me suis toujours battu dans les écoles juives pour que les matières de Kodesh ne soient pas une matière supplémentaire. Parce qu'il fallait évidemment faire comprendre à nos chers élèves que le Kodesh, ce n'est pas encore une matière. Le Kodesh doit être complètement séparé du Chol. C'est autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut envisager la présentation de ces matières-là. Pas comme avec des notes, avec des examens, etc. Je sais que c'est révolutionnaire. En tout cas, moi, j'avais réussi pour les classes de première et terminale à faire en sorte que les cours de Torah soient quelque chose de vivant, quelque chose il faut qu'ils comprennent que c'est des leçons de vie pour toute leur existence future. Donc, ce n'est pas une matière de plus. Et c'est à nous de faire passer ce message. La Torah n'est pas encore une matière, la Torah n'est pas encore une sagesse comme les autres, qu'à Dieu ne plaise, chas v'shalom. Alors, viennent les Chachamim et nous donnent quelque chose, toujours dans le Béni Sakhar, de magnifique, en nous disant, alors, c'est vrai que la démarche de Yavan, c'est une démarche tortueuse. Et où est-ce qu'on reconnaît justement pourquoi la Torah va appeler ces forces du mal, ces clipotes, Nahash, parce que le Nahash ne marche jamais droit, donc c'est comme un serpent. Et la valeur numérique de Nahash, c'est 358. 358, donc eux, ils voulaient justement nous empêcher de soumission et remerciement. Donc on nous dit que ces deux choses, ces deux valeurs qu'ils ont voulu supprimer, si je multiplie deux fois 358, ça donne 716. Et 716, vous allez me dire, eh ben, qu'est-ce qui vaut 716? Alors il y a une forme de gématria qu'on n'utilise pas très souvent, mais le Béni Issachar en parle. Nous savons que les centaines se terminent avec la lettre Tav. Et Tav, c'est 400. Donc après, si je veux faire 500, eh bien, il faut que je prenne 400 plus 100. Sauf que il y a ce qu'on appelle les lettres finales qui sont au nombre de 5. Et si je les prends dans l'ordre, eh bien, comme il y a 4 plus 5, je peux aller jusqu'à 900 avec des lettres finales. Donc comment? Eh bien, dans l'ordre, si je sais que Kam Na Patz. Kamnapat, c'est dans l'ordre. Donc il y a le kaf final qui vaudra alors 500, le mem final 600, le nun final 700, le p final 800 et le tzadik final 900. Donc si je prends maintenant le mot yavan, yavan normalement c'est 66. Mais si je remplace le nun final par la valeur que je viens de donner, c'est-à-dire 700, 700 et yud et vav, les deux premières lettres, c'est 10 et 6, ça fait 716, c'est-à-dire c'est deux fois Nahash, deux fois le serpent. Comme si le serpent s'attaquait à ces deux pôles. Et pour nous, le peuple juif, c'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, au niveau des séphirotes, et je ne vais pas m'attarder, mais on sait que les deux fêtes de Purim et de Hanouka sont représentées par Netzar. Netzar, c'est Purim, et Hod. Hod, c'est Hanouka. Hod, qui est représenté par Aharon, donc évidemment le Kohen Gadol, donc la majesté par rapport à ses vêtements. Donc, ça, c'est tout ce qui relève donc de la Kehuna, de la prêtrise. Et parce que Hod, c'est Hodaya, c'est non seulement reconnaître, mais c'est aussi remercier. Et donc, si je dis que c'est justement ce qu'ils ont voulu attaquer, c'est au niveau de la fête de Hanouka, c'est ce que ça représente. Donc, nous, on doit au contraire remercier Hachem de manière infinie. Et le premier qui a introduit les remerciements à Hachem pour tout ce qu'il était en train d'endurer, comme vous le savez, c'est Yosef. Rappelez-vous, on avait dit que la guerre est essentiellement qu'elle visait Yosef. Et pourquoi? Parce que Yosef est le premier qui a introduit la notion de Dieu, mais la notion de remercier Hachem, parce qu'il remercie Hachem à longueur de journée. Alors, ça, c'est pour que l'on comprenne un petit peu ce que donc on trouve dans cette belle paracha, en sachant que la première fois qu'un être humain s'est prosterné devant Dieu, c'est lorsque les Malachim ont voulu se prosterner devant Adam, parce qu'il émanait de lui une telle lumière qu'il pensait que c'était une lumière divine. Et la lumière, oui, était divine, mais il ne s'agissait évidemment pas de Dieu lui-même. Et Adam a demandé donc à toutes les créatures, les anges inclus, venez, on va tous se prosterner
devant celui qui mérite qu'on se prosterne devant lui, autrement dit le créateur du monde. Et donc c'est Adam qui a donné justement ce premier exemple de prosternation comme reconnaissance de tout ce qu'on doit à notre créateur et savoir voir évidemment tout ce que Hachem opère pour nous comme miracle. Alors, pour revenir donc à l'Omégalé, à Moukot, que la guerre était contre Yosef. Et tout ceci est une introduction dans cette première partie avant d'aller attaquer la Haftara que je vous avais promis qu'on allait évidemment voir en détail. Alors, qu'est-ce que on voit dans les décrets? Nous savons que essentiellement il y a deux décrets qui sont Chodesh et Mila. Alors, quand et c'est comme ça que c'est expliqué par exemple dans la Chassidoute, nous avions déjà dit que tout ce que Dieu manifeste ici-bas sur terre se manifeste au niveau des trois niveaux qui s'appellent Olam, donc c'est le Sefer Ayetira, Olam, Shana et Nefesh. Donc Hashan, les lettres Hashan, donc on réduit ça à l'espace, le temps et l'homme. Donc comment je retrouve justement ces trois décrets? Donc le plus facile c'est Nefesh, l'homme, on a attaqué à l'homme, pas comment? Par la Mila. Donc parce que ce qui définit l'homme juif, c'est sa Brit Mila, donc ça c'est au niveau de Nefesh. Au niveau du temps, au niveau du Zman, donc Shana, c'est par rapport à Chodesh. Qu'est-ce qui me permet, quand on est sorti d'Égypte, avant même d'ailleurs de sortir d'Égypte, à Chodesh Hazé, Dieu nous a donné le temps en cadeau, Mekadesh Hazemanim, donc on peut sanctifier le temps. Et alors qu'est-ce que c'est le troisième? C'est l'espace, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat qui définit ce que je peux faire dans ce monde et ce que je ne peux pas faire. Donc, j'ai ce monde 6 jours par semaine, et qu'est-ce que je fais le septième? Le septième, je me déconnecte du monde. Comment? Par le mouxé, par les travaux interdits, etc. Donc, le Shabbat, c'est la relation que j'ai à l'espace donc, qui m'entoure. Le Chodesh, c'est la notion de temps. Et la Brit Mila, c'est la notion du corps, c'est de l'homme. Donc, j'ai ici les trois dimensions. Et sur ces trois dimensions, nous avons les deux qui sont liés intimement à Yosef. Comment? Eh bien, justement, par rapport à la Mila, nous savons que, je viens de donner l'exemple tout à l'heure, à savoir qu'il a imposé la Brit Mila à tout le monde, et comment lui-même, qui, dans les Sephirot, incarne Yesod, qui représente la Brit Mila chez l'homme, parce qu'il est celui qui, par son mérite extraordinaire, a préservé la pureté de sa Brit Mila. On dit que, mais par Roi HaKodesh, même Yosef, même Yaakov, son père, avait vu que Yosef n'avait pas perverti, n'avait pas souillé sa Brit Mila, et c'est pour ça que Yosef est appelé Hatzadik, et que ces deux enfants feront partie des tribus d'ailleurs. Et le Shabbat, eh ben justement le Shabbat, il a introduit aussi, quand il était en Égypte, et par rapport à un détail très important, puisqu'il est dit que dans Maseret Megillah, on nous dit quels sont les passages que je dois lire à telle ou telle fête, et non seulement dans les prophètes, la Haftarah, mais dans la Torah. Et quels sont les textes que nous lisons donc depuis hier, aujourd'hui et pendant 8 jours. Donc, quels sont les textes que nous avons choisis pour lire? Ce sont ce qu'on appelle les korbanot anesi'im, donc les sacrifices et les offrandes, surtout que les cadeaux que tous les nesi'im, les princes de chaque tribu, a apporté. Et donc, on a commencé par la première. Et curieusement, donc le septième jour, ça sera Elishama ben Hamigoud lematé Ephraim. Ephraim, donc, et on nous dit Bayom Hashevi'i. Bayom HaShevi'i, c'est pas juste Bayom HaShevi'i parce que les offrandes ont commencé un dimanche. Donc Bayom HaShevi'i, c'était vraiment un Shabbat. On nous dit que c'est la seule exception qui est faite parce que le Shabbat, je n'ai pas le droit d'apporter ce qu'on appelle un korban yachid, un korban pour un individu. Je dois faire que ce qui est collectif, le korban moussaf ou autre, ou le tamid par exemple, mais un individu ne peut pas venir. Donc c'est la seule exception. Elle a été faite pour qui? Pour le descendant de Yosef et pour l'inauguration de ce temple, comme pour augurer ce qui allait se passer bien plus tard lors de la réinauguration, lors de la fête évidemment de Hanouka. En tout cas, c'est comme ça qu'il est expliqué et c'est comme ça qu'il faut comprendre
que Yosef avait un lien très très particulier avec le Shabbat et avec la Mila. Donc s'attaquer au Shabbat et s'attaquer à la Mila, c'est s'attaquer à tout ce que représentait, donc ça c'est ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, donc c'est s'attaquer à l'essence même de Yosef. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ceci. Et un Zohar sur lequel j'aimerais revenir, un Zohar magnifique qui nous dit que, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait un cours là-dessus, mais on était passé assez rapidement. Donc, le fait que la date, justement, de Hanouka tombe en 25, Kaf-Hé. Kaf-Hé, 25, c'est le nombre de lettres du schéma. Si je prends Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il y a 25 lettres. Donc, par exemple, quand Moshe Rabbeinu a vu cet Égyptien qui avait frappé, qui s'apprêtait à tuer un juif, on dit Vaifen Ko Vacho. Il s'est tourné et de ci et de là. Ko Vacho. Viennent nos Chachamim donner une interprétation magnifique. Qu'est-ce que c'est Ko? Il a fait le schéma du matin et le schéma du soir. Et autrement dit, avec quoi il a tué? Certains disent que c'est le nom ineffable de Dieu. Non, il a juste dit le schéma. En disant le schéma, eh ben, l'Égyptien est mort. On nous dit par exemple, lorsque les soldats de Juifs vont sortir en guerre, on nous dit Schéma Israël, Atem. Donc, on commence par le schéma Israël et la Gemara dans Sota Membet 42 nous dira que par le mérite du schéma récité le soir et le matin, eh ben, aucun ennemi ne pourra venir à bout du peuple juif. C'est-à-dire, pourquoi le Kaf-Hé? Comme si, quelle était la force des Hashmonaïm, quelle était l'arme secrète ou, si vous préférez, la potion magique des Hashmonaïm qui leur a permis, eh bien, on dit que c'était le schéma, parce qu'ils faisaient extrêmement attention à la récitation du schéma. Messieurs, si on servait les vertus de la récitation du schéma le matin et le soir, je vous assure que pas un seul ennemi pourrait avoir le dessus sur Israël. On dit par exemple que Goliath, comme ça c'est rapporté dans les textes, il venait le matin et il venait le soir pour harceler. On dit qu'il voulait empêcher le peuple juif de faire le schéma parce qu'il savait que ils faisaient le schéma, eh ben, ils auraient la puissance qui ne pourrait pas le laisser le vaincre. Et c'est à ce moment-là, donc évidemment, que David va venir avec sa fronde et avec sa pierre, mais ça, c'est pour une autre fois. Et qui le savait aussi, mes amis, même Haman. Haman, lorsqu'il vient voir le roi Achashverosh, qu'est-ce qu'il lui dit? Védatehem et leur loi, comment il s'est marqué? Shonot Mikol Am, sont différentes de tout peuple. Shonot Mikol Am, si je prends les initiales, Shonot Shin, Mikol Mem Am Aïm, Shema. Donc eux, ils ont une force, hein, c'est le schéma. Et c'est pour ça qu'il s'est présenté tellement tôt, parce qu'il voulait attraper Mordechai avant qu'il ne récite le schéma du matin. C'est comme ça c'est rapporté. Donc imaginez la force que même nos ennemis la connaissent, la force du peuple juif. Hein. C'est parce que si on pouvait mesurer ce que le schéma contient comme message, et je m'arrêterai là sur ce point-là, parce que schéma, Hachem Elokeinu. Donc on sait très bien qu'il y a le Dieu de la nature, le Dieu de l'immanence, celui qui agit ici et celui qu'on voit dans ce qu'on appelle nous la nature. C'est pour ça Elokim, c'est Hateva, c'est la nature. Et Yud Kevavke, c'est la transcendance, c'est, on va dire, déjà, on va parler de miracle. Qu'est-ce que le schéma vient nous enseigner? Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il n'y en a pas deux. Et ben, c'est comme si j'étais en train de dire, la nature, c'est le miracle, mais le miracle, c'est aussi la nature. Et donc, tout l'enseignement de Hanouka, mes chers amis, c'est essentiellement cela. Quand le médecin qui, lui, représente la nature, nous dit, il n'y a plus de solution. Je dis oui, ça c'est la nature. Mais nous, pour nous, il y a aussi le miracle. Et le miracle peut aussi apparaître ici dans la nature à travers, eh ben, on laissera à Kadosh Baroukh Hou faire le nécessaire pour envoyer les guérisons, pour envoyer les solutions qui peuvent nous paraître, encore une fois, miraculeuses. Mais que 13 personnes puissent en battre des myriades, comme c'était le cas des Hashmonaïm,
Mais c'est pas un miracle, ça? Mais bien sûr que c'est un miracle. Mais encore une fois, nous, on y croit. Et il y a eu d'autres miracles avec Sancheriv qui a voulu conquérir. Il est venu avec des milliers et des centaines de milliers de soldats. Et à la fin, ben, ils ont fait le siège de Jérusalem. Lorsque, au matin, il s'est levé, il y avait une épidémie qui avait décimé tous ces soldats. Donc, les miracles pour nous, c'est évidemment lorsque Hachem nous dévoile sa façon d'agir dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on, même s'il est dit qu'on ne peut pas compter sur les miracles, mais on peut compter sur Dieu. Et si Dieu agit des fois de manière miraculeuse ou pas, mais pour nous, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est ça le symbole du schéma et c'est le café, le miracle de Hanouka, c'est aussi bien dans la guerre que dans la fiole d'huile. Eh ben, c'est pour nous signifier qu'Hachem est toujours auprès de nous, aussi bien dans la nature que dans le miracle. Et c'est ce que les Chachamim nous disent. Si je suis capable de voir Dieu dans l'ordinaire, eh ben, je verrai Hachem aussi dans l'extraordinaire. Mais pour ça, il faut avoir les yeux et une lumière, celle de la Hanouka, qui nous permet de voir justement ces miracles encore aujourd'hui. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport donc à cette paracha. Et maintenant, j'aimerais passer, avec votre permission, à la Haftara. La Haftara où on va assister à un passage très, très curieux, très étonnant, du prophète Zécharia. Alors, Rachid, dans l'introduction de ce livre, nous dit que les prophéties de Zécharia sont très, très dures. Et que, pas dures dans le sens de dures pour le peuple juif, mais dures à comprendre parce que, et il rajoute, qu'on les comprendra lorsque le Mashiach viendra, donc à la fin des temps. Donc c'est dire que même si c'est un petit prophète, avec un contemporain, lui, Haggai, donc à quel moment ça se situe, juste pour avoir une idée. Donc cette Haftara se situe donc deuxième année du règne de Dariavesh, Darius II, et c'est dans l'an à peu près 3409. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les prophètes Zécharia et son collègue Haggai? C'est motiver les troupes, puisque après 18 ans d'interruption de la construction du deuxième Beth Amikdash, donc on est ici avant que Néhémia, Ezra et Néhémia ne prennent le relais pour la reconstruction du deuxième temple. Mais ici, donc, ils veulent à tout prix motiver les Juifs pour reprendre les travaux de reconstruction le temps que Néhémia va négocier avec Darius, donc l'édit de retour pour permettre les travaux de la reconstruction. Et pour les motiver, donc, Hachem envoie cette vision qui est celle de la menorah. Donc, et c'est comme ça que c'est rapporté. Qu'Amar Hashem, imidrachai teler. Alors, à Kohen Agadol, donc je vous lis ce passage extraordinaire. Ma'ataroé, donc vers la fin, donc c'est le chapitre 4, donc qui parle vraiment de la vision de la menorah, mais la haftara commence au chapitre 2. Donc, chapitre 2 est tout un chapitre qui parle, qui ne parle pas d'ailleurs de la Ménorah. Et on n'a pas très bien compris encore pourquoi dans la Haftara, on a choisi, si vous allez voir, c'est le chapitre 2 du verset 14 au verset. Attendez, oui, au verset 17. Après, il y a tout le chapitre 3. Donc du premier verset au sixième, et après le chapitre 4. Donc ce chapitre 3 et la fin du chapitre 2 ne parlent pas du tout du temple, et on ne sait pas encore pourquoi ça fait partie de l'Haftara, et ça sera le sujet de notre étude de ce soir, donc dans cette deuxième partie. En tout cas, pour montrer que c'était évidemment un bon thème pour choisir. Donc, si je regarde le chapitre 4, donc l'ange qui parlait avec moi me revint et me réveilla comme un homme qui se réveille de son sommeil. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Et je dis, j'ai vu et voici qu'il y avait un candélabre entièrement fait d'or et il y avait un grand vase à huile dessus. Il y avait sept lampes sur le candélabre.
chacune des lampes qui étaient dessus, et il y avait deux oliviers près de lui, un à la droite du bol et un à sa gauche. Et alors je répondis et parlai à l'ange qui parlait avec moi, que sont-ils, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi répondit, ne sais-tu pas quelle est la signification de ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et alors il m'a dit, cette vision est la parole de l'Éternel à Néhémia, justement, qui est également connu sous le nom de Zérubbabel. Donc ici, lorsqu'il est question de Zérubbabel, c'est un deuxième nom de Néhémia. Depuis qu'il a été conçu en Babylonie, donc il retournera bientôt à Yerushalayim pour superviser la suite de la reconstruction du temple. De même que ces olives et leur huile ne sont pas transformées par l'effort humain, mais par elles-mêmes, vous reconstruirez le temple non pas par la force militaire et non par la force physique, non par la force militaire et non par la force physique, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc c'est la reconstruction du deuxième temple. Donc c'est tout à fait logique, on comprend très bien le contexte, on a très bien compris le choix de ce passage, puisque nous, pour nous, c'est aussi une prophétie pour le troisième temple, comme eux, eh ben, ils ont eu la prophétie pour la reconstruction du deuxième. Nous, en quelque sorte, c'est aussi la prophétie pour la reconstruction. Mais de quoi parle le début de cette Haftara? Et c'est ça ce qui est assez surprenant. Alors, comme je disais, donc on comprendra à la fin des temps. Donc nous sommes la deuxième année de Darius et on essaye donc de motiver les troupes pour la reconstruction. Et là, il y a une vision d'un juif qui s'appelle Yehoshua ben Yehotzadak et qui était Kohen Gadol. Et c'est pour ça que quand il a dit Ve'Yehoshua, Vayomer Hashem el Satan. Donc, si je lis maintenant le chapitre 3, et c'est important pour comprendre la suite. Donc, le chapitre 3 commence. Dieu me montra ensuite la vision de Yehoshua, le grand prêtre, debout. Et en fait, on nous explique qu'il était en procès devant l'ange de l'Éternel. Et l'adversaire angélique de la cour céleste, il cherchait à disqualifier Yehoshua du sacerdoce. Pourquoi? Donc on va essayer de comprendre. On dit comme ça, il se tenait à sa droite pour l'accuser de ne pas avoir bien éduqué ses fils, puisque, et c'est comme ça que c'est rapporté dans l'Agmara, dans Sanhedrin 93a, donc ils avaient épousé des femmes qui étaient inaptes au sacerdoce. Mais l'Éternel a dit donc à cet ange, l'Éternel te réprimandera, l'Éternel qui choisit de se révéler, cette personne n'est-elle pas un flambeau arraché au feu? Alors, à quoi ça fait allusion? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec la Gemara. Donc, une Gemara que je vous invite à lire, mais vraiment parce que c'est un passage extraordinaire. Donc, on est dans le traité de Sanhédrin, la page 93. Donc, je vous ai choisi donc vraiment un extrait, puisque ce serait trop long, mais tellement intéressant. Et on ne peut pas vraiment comprendre toute la Haftara et le lien, puisque pour nous, évidemment, c'est le lien avec Hanouka, si on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ici. Deux, il est question de deux. Voilà. Koama Hashem Tsevakot el Achav ben Koliav el Tzidkiyahu ben Maasiah han Nevi'im lachem bishmi le Shaker. Donc, il a été dit au prophète, et il y a donc ces deux prophètes, un qui s'appelait Achav ben Kolaya et l'autre Tzidkiyahu ben Maasiah, et on nous dit que c'était des faux prophètes. Qu'est-ce que c'est que ces faux prophètes? Alors, on va nous les présenter. Donc, il a été dit au prophète Yirmiyahu, ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël, au sujet de Ahav, qui prophétise pour vous faussement en mon nom. Et il est écrit qu'une malédiction sera prise d'eux pour tous les exilés de Yehuda. Donc, pourquoi? Asher Kalam, c'est la femme l'Onémar et la Kalam. L'Écriture ne dit pas que le roi les a brûlés, mais qu'il les a roussis. À quoi ça fait allusion? Donc, bon, je vais vous le dire oralement. Donc, ces deux lascars, donc de vrais faux prophètes, qui prophétisaient en Babel, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils allaient voir les femmes des goyotes, des non-juifs, et ils disaient, voilà, j'ai une prophétie. Donc, Dieu veut que vous ayez un prophète, et pour ce faire, vous devez aller avoir une relation avec un prophète qui s'appelle Achav.
Donc, Tzidkiyahou a rangé pour Achav, et donc après, évidemment, Achav venait chez ces femmes-là, et Achav allait chez d'autres femmes en leur disant, vous, il faut que vous alliez avec Tzidkiyahou. Mais vraiment, de pas faux prophètes, parce que je ne sais pas comment on les aurait qualifiés, à telle enseigne qu'ils étaient tellement puissants et tellement forts, une femme a dit, mais si vous êtes des vrais prophètes, maintenant que je sais que je suis enceinte, est-ce que c'est un garçon, une fille? Bien sûr, c'est un garçon. Et en sortant, il réunissait les voisines, disait, vous savez, comment s'appelle cette dame? Je sais bien, cette dame, elle va avoir une fille. Donc, si elle avait un garçon, c'est ce qu'il lui avait dit. Si elle avait une fille, il fait non, mais effectivement, il nous avait dit que c'était une fille. Donc, il prévoyait le coup. Donc, c'était des monstres et ça a duré pendant énormément, énormément de temps. Et ils se sont pris à la mauvaise cible. Non, c'est un autre. C'est un autre Achav. C'est pour ça qu'on précise que c'est Achav ben Kolaya. Donc, ce n'est pas le roi, c'était des faux prophètes. Et on nous dit qu'ils sont allés chez la deux versions. Dans la Gemara, il y a le Midrash Tanhuma qui parle aussi de ça, et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, au chapitre 32, si je ne m'abuse, où on rapporte donc cette histoire qui est ici et qui fait allusion, puisque j'ai dit, mais est-ce que ce Yehoshua n'est-elle pas un flambeau arraché au feu? Mais on ne sait pas à quoi ça fait allusion. Donc, à quoi ça fait allusion? Écoutez bien, parce que c'est extrêmement important. Eh bien, donc, quand ils sont venus, ils ont fait le même coup. Alors, il y a deux versions. Dans la Gemara, on dit que c'est la femme de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar, ni plus ni moins, du roi. Donc, ils sont allés voir la reine. Et il y en a qui disent que c'était chez la fille. Peu importe. La vérité, c'est qu'ils ont dit, voilà, vous devez aller avec mon collègue Achav. Elle a dit, ah bon, moi je vais demander à mon mari. Et Nebuchadnezzar, donc qui n'était pas né de la dernière pluie, leur dit, ah bon, vous êtes des prophètes, alors vous savez quoi, je vais consulter moi, et qui est allé consulter? Hanania, Michaël et Azaria. Donc les trois qu'il avait jetés dans la fournaise ardente, et quand il leur a dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait un prophète qui puisse aller avec une femme non juive comme maman, mais ça ne va pas. Mais si c'était le cas, nous, on a un prince qui s'appelait Zimri Ben Salou, parce qu'il est allé avec une non juive, il y a eu 24 000 morts, donc c'est inconcevable. Alors il le convoque, il lui dit, j'ai consulté vos autres, il y a aussi des prophètes juifs, et ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Il lui a dit, écoutez, eux, ils ont leurs prophéties et nous, on a les nôtres. Donc, mais Hachem ne partage pas forcément toutes les prophéties, donc on ne pouvait pas discuter là-dessus. Bon, vous savez quoi? On va faire un test. Moi, je sais que eux, je les ai testés parce que je les ai laissés 7 jours dans la fournaise ardente et ils sont sortis intacts. Alors, je vais faire la même chose. Alors, je vais vous jeter dans une fournaise ardente dans 24 heures, et si vous sortez et indemne, ça veut dire que vous êtes des vrais prophètes, et donc, alors je me soumettrai à ce que vous me direz. Ah, non, ça ne peut pas marcher. Ah bon? Et pourquoi pas? C'est parce que eux étaient trois, nous on n'est que deux. Je dis, bon, qu'à cela ne tienne. Alors je vous laisse choisir le troisième. Alors ils se sont concertés. Ils se sont dit, vu notre niveau, on n'a aucune chance de s'en sortir. La seule chance de s'en sortir, c'est si on fait appel à un vrai tzaddik. Et qui ils ont appelé? Eh bien, justement, Yehoshua Kohen Gadol. Celui qui est cité, pardon, ici, Vayar Enyet Yehoshua Kohen Gadol. Donc, Yehoshua, c'est comme ça il est appelé dans la Gemara. Et c'est pour ça que, par exemple, le Maharal expliquera pourquoi il a dit roussi et pas brûlé, parce qu'il n'avait pas l'intention de les brûler, mais simplement de les roussir, comme c'est marqué, pour savoir s'ils étaient insensibles comme ils avaient été Hanania. Et évidemment que les deux prophètes vont mourir immédiatement, c'est comme ça que c'est rapporté, mais pas Yehoshua ben Yotzadak. Donc c'était de lui que je parlais. Donc, ce Kohen Gadol qui était un tzaddik, et donc et il a dit, nous on n'a rien à craindre, comme lui c'est un tzaddik, même s'il nous jette dans le feu, on sera protégé par lui. Et effectivement, ils sont jetés dans la fournaise, et on dit que les deux ont été brûlés immédiatement sur place, et que Yehoshua, hein, le Kohen Gadol, il est sorti, mais avec les vêtements brûlés. Lui ne lui est rien arrivé, mais ses vêtements étaient brûlés. Donc,
très étonné, puisque Nebuchadnezzar est quand même qui connaît pas mal de choses. Il a dit, je ne comprends pas. Lorsque j'ai envoyé Michaël, Hanania, Azaria, eux, ils sont sortis indemnes, mais même les habits n'avaient rien. Tu as dit, oui, mais regarde, toi, tu m'as envoyé avec deux Réchaïm. Tu as bien vu qu'ils ont brûlé sur place. Si tu m'avais envoyé tout seul, ben, je serais sorti indemne. C'est comme si tu prenais deux morceaux de bois sec et tu mets un morceau de bois humide. Évidemment que le bois humide va recevoir un petit peu de la fumée parce que à cause des bois secs qui, eux, brûlent très vite. Ah, d'accord. Donc, pour Nebuchadnezzar, bon, la réponse était satisfaisante. Mais la Gemara demandera, ça c'est une réponse pour Nabucodonosor, mais pour nous, ce n'est pas une réponse qui s'entend, puisque si il y a quelque chose qui a été touché, c'est que forcément, il y a ici un défaut chez Yoshua. Alors, de quoi s'agit-il? Et c'est comme ça qu'on va expliquer. Alors, et c'est la Gemara qui va dire. Donc, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit parce que c'est à cause de ses deux enfants. Ces deux enfants, c'est comme ça qu'il a rapporté, la rectitude de Yoshua le protégea, et pendant qu'eux, ils sont morts, donc lui a été sauvé, mais Yoshua portait des vêtements sales. Et qu'est-ce que ça veut dire des vêtements sales? C'est que eux, les vêtements avaient été touchés. Par rapport à quoi? Parce qu'il était coupable. De, comme ça c'est rapporté, de ne pas avoir bien éduqué ses fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas bien éduqué ses fils? Alors on dit que ses fils ont épousé des étrangères. Comme ça c'est rapporté dans Ésra chapitre 10 verset 18 que les fils du Cohen Yehoshua ben Yotsadak avaient épousé des femmes étrangères. Ce Yehoshua ben Yotsadak n'est autre que Yehoshua Cohen Gadol, donc dans Zacharia, donc dans notre Haftarah. Alors la Guémara l'explique ici. Qu'est-ce que c'est les femmes étrangères? Est-ce que c'est des non-juifs? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Cohen Gadol a laissé ses enfants épouser des non-juifs? Non. Alors, il y a deux explications étrangères à la Kehuna, à la prêtrise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles étaient étrangères à la Kehuna? C'est que malheureusement, si ces enfants ont épousé des femmes halalot, donc ils ne pouvaient, ces enfants n'étaient plus Kohanim. Ou alors, comme ça, il dit, où il s'agit peut-être des femmes étrangères qui s'étaient converties. Et un Cohen, jusqu'à nos jours, ne peut pas épouser une femme convertie parce que du coup, ses enfants ne sont plus des Kohanim. Il perd donc la Kehuna. Et donc, par quoi est représentée ici la Kehuna? Par les vêtements sacerdotaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ces vêtements ont roussi, ils ont été abîmés, souillés ici, salis, parce que ses enfants n'allaient plus donner de suite, vu les mariages illicites, illégaux, d'après la halakha, qu'ils avaient contracté, et ben comme ils n'allaient pas avoir des enfants, donc c'est pour ça que le père était un peu responsable. Et on dit que l'omicha, alors qu'est-ce que ça veut dire l'omicha? Il n'a pas fait de remontrance, il a laissé faire. Et donc, s'il avait évidemment émis des objections, ça ne veut pas dire que les enfants auraient été écoutés, mais il ne pouvait pas se taire et laisser faire par rapport à cela. Donc, ça, c'est ce qu'on peut apprendre de ce passage. Alors, L'Omicha, donc il n'a pas protesté contre eux. Et maintenant, tout ceci, c'est très bien, mais on n'a pas encore compris le lien. Voilà, ça c'est pour la Gemara, et ça c'est le premier passage de la Haftara, donc troisième chapitre de Zecharia, qui apparemment n'a rien à voir avec Hanouka. Donc on aura bien compris. Pour ce qui est de la vision de la menorah, du candélabre, c'est parfait, mais tout ce passage reste un petit peu. On va dire un peu obtus, donc on ne comprend pas très bien. Alors, voici ce que l'on peut dire, et donc ce sera pour notre conclusion et notre fin. Velomicha, donc quel est le lien donc, entre ce passage-là et Hanouka et tout ce chapitre? Alors, les Rahamim nous disent comme ça, que dans un Midrash magnifique, c'est que Yaakov a instauré deux contre deux. Et Moshe a instauré deux contre deux. À quoi ça fait allusion? Eh bien, écoutez bien. Donc, Yaakov, il a placé Yehuda contre Bavel et Binyamin contre Madaï. Et Moshe Rabbeinu, il a choisi Lévi contre Yavan et Yosef contre Édom.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne vais pas m'attarder sur tout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Yavan et Lévi. Lévi, évidemment, les Kohanim. On va essayer de comprendre quel est évidemment, la jonction. Alors, Yehuda, on dit que Yehuda est appelé un Arié, un lion, et Bavel aussi est comparé à un lion. Donc, par rapport même aussi à Daniel, qui a lutté contre les lions. Binyamin est comparé à un Zéev, à un loup, et on dit que Madaï, Perse et Mède aussi, ils sont comparés à des loups. Donc, par qui? On dit que c'est par Mordechai. Mordechai, donc, de la tribu de Binyamin, donc, il va, lui, lutter contre Madaï. Ça, c'est par rapport à la bracha faite par Yaakov. Et la bracha faite par Moshe, eh ben, il a établi Lévi, donc il n'y a pas d'animal ici, et Yosef non plus, Lévi contre Yavan et Yosef contre Édom. Yosef contre Édom, on le sait, puisque Yaakov, lui, quand est-ce qu'il a quitté Lavan? Lorsque Yosef est né. Parce que on sait que Yosef est la force qui s'oppose à Essav, donc Édom, donc on sait que Yosef est contre Édom. Mais Lévi contre Yavan, donc, on nous demande, et le Midrash va nous donner aussi quelques détails extrêmement importants, extrêmement intéressants. On nous dit, si vous regardez, Yavan, c'est trois lettres. Lévi, c'est aussi trois lettres. Et il y a deux communes, le Vav et le Yud. Donc, deux lettres communes. Les deux sont en troisième position, puisque c'est le troisième exil, et Lévi est le troisième enfant. Donc, les deux sont nés des instruments. Les deux portaient des couvre-chefs, parce que c'est les Kohanim, donc la tribu de Lévi. Un était très peu nombreux, les Kohanim étaient très peu nombreux, la tribu de Lévi, et les Grecs étaient extrêmement nombreux, comme on va le voir, et tu as remis entre les mains de peu nombreux tout ce qui était nombreux. Et à l'époque des Grecs, le Midrash va encore plus loin. Mais donc maintenant qu'on a saisi ce lien qui existe entre Lévi et Yavan, on va essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on essaye de nous faire comprendre à travers cette opposition entre la tribu de Lévi, qui incarne, comme vous le savez, les Kohanim essentiellement, et Yavan? À part que la guerre qui va avoir lieu, c'est précisément entre les Kohanim et Yavan. Mais pourquoi on dira que Yavan s'est opposé à Lévi? Qu'est-ce que Lévi les dérange? On ne comprend pas très bien. Alors, et voici ce qui est dit. On sait très bien que Yavan, c'est le Rocher. Yavan, donc il y a plusieurs exemples qui ont été aussi donnés. Par exemple, dans Shir HaShirim, Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Donc, ouvre-moi ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. Donc, et on nous dit quatre expressions, comme ça c'est rapporté. Donc, la première, Achoti, Bavel, Rayati, Madaï, Yonati, Yavan. Yavan est comparé à, ou opposé à Yona. Et vous remarquerez que Yona, c'est la colombe. Les trois premières lettres de Yona, c'est Yavan. Yavan plus la lettre He. Autrement dit, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que la colombe vient faire ici. Quelle était la mission de la colombe? Et la colombe, qu'est-ce qu'elle a apporté avec Noir? Je sais qu'il y a énormément, souvent reproché qu'il y a beaucoup d'informations, je suis vraiment navré, mais tout s'imbrique d'une manière tellement belle, et je sais que j'ai tendance à aller vite, je m'en excuse par avance, mais je vous invite à réentendre le cours si vous n'avez pas saisi, mais je suis obligé d'avancer pour conclure un peu dans les temps, mais vous allez voir comment tout est imbriqué d'une manière mais vraiment merveilleuse. Donc, qu'est-ce qu'elle a rapporté, la Yona, mes chers amis? La Yona a apporté des feuilles d'olivier. Waouh! L'huile d'olive, la Yona avec Yavan, avec Hanouka, tout est relié, mais évidemment, comme un chef d'orchestre, donc on a plusieurs éléments, à moi d'essayer, en tout cas de les mettre en place et de vous les présenter comme notre Torah, un chef-d'œuvre, parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre. Alors, on nous dit quelle est la particularité de la colombe. Alors, sachez, mes amis, cette explication, je ne l'ai jamais donnée, parce que je l'ai découverte, mais elle est magnifique. Parce que qu'est-ce que la Yona Noar, il ne pouvait pas quitter l'arche tant que Dieu ne donnait pas l'ordre. Donc, pourquoi il s'empresse pour envoyer la colombe pour savoir si Hakalu Hamayim, qu'est-ce que ça veut dire, si les eaux avaient diminué? Ça, c'est littéralement l'expression qui est utilisée, Hakalu Hamayim.
Je vais un peu vite, mais parce que cette explication est du disciple du Harizal, de Rabbi Haïm Vital, ni plus ni moins, pour vous montrer la profondeur et la beauté. Hakalu qu'est-ce que Yona voulait? Pas pour savoir si Noah voulait, pas pour sortir, pour savoir. Non, il voulait savoir hein, si Mayim, d'après toujours Rabbi Haïm Vital, on nous dit que il y a les quatre éléments de la création, Aramar. Donc, qu'est-ce que c'est? Esh, le feu, Ruach, l'air, Mayim, l'eau et Afar. Et on explique que, qu'est-ce que c'est Mayim? Rabbi Haïm Vital l'explique, c'est Ta'ava, c'est le désir. Et d'où vient ce désir? Quel est le désir? C'est le désir pour deux choses, les arayot, les relations interdites, et le gezel, le vol. Et quelle était la faute? Et vous comprenez pourquoi, d'après Rabbi Haïm Vital, la sanction est venue par l'eau? Parce qu'ils ont fauté avec ce que l'eau symbolise. C'est-à-dire, comme c'est marqué, qui hichrit, parce que corrompu, donc les fautes de mœurs. Et comme c'est marqué, après, Vatimale Aretz, Hamas. La terre s'est remplie de Hamas. Hamas, c'est le vol. Donc il y avait le vol et les relations interdites, le symbole de l'eau. Donc, ça ne pouvait être purifié que par rapport à l'eau. Qu'est-ce que Noah voulait savoir? Est-ce que c'est maintenant qu'on a travaillé pendant presque un an, est-ce qu'on peut dire que ce désir, cette ta'ava pour le vol et pour les relations interdites, en sachant que il n'y avait pas de possibilité de voler parce que tout était dans l'arche, il y avait une interdiction de s'unir. Donc, est-ce que maintenant, Hakalu Amaim, est-ce qu'on a réparé? Et donc, qu'est-ce que la Yona rapporte? Elle rapporte de l'huile, une branche d'olivier. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Comment il lui a fait comprendre que oui, que cette faute avait été pardonnée? On dit que la Yona représente la fidélité. Si on n'avait pas eu la Torah, de qui on aurait appris la fidélité? Justement, de la Yona. La tsniout, on nous dit, du chat. Et le vol, on l'aurait appris de l'animal, de la fourmi. Donc, très intéressante une Gemara. On dit même on aurait pu apprendre des animaux. Mais qu'est-ce que donc le message? On dit qu'il y a deux arbres qui ne peuvent jamais être greffés ni mélangés. C'est la vigne, d'une part, et l'olivier. Donc, la vigne, pourquoi la Yona, la colombe aurait pu? Mais on dit qu'il avait des graines. La preuve, c'est quand il est sorti, il a planté. Donc, il avait déjà les graines de vigne. Et donc, c'est pour ça que la colombe lui a apporté la feuille d'olivier pour symboliser, de la même façon qu'il n'y a pas de mélange, sache que Hachem vous a pardonné. Et on dit que c'est une allusion à la fidélité. La fidélité, évidemment, à la Torah, la fidélité à Hachem, la fidélité à nos valeurs, la fidélité au message et à la confiance que Dieu a placée en nous. Et c'est pour ça que la menorah, à travers l'huile d'olive, qui date donc depuis le message de cette colombe, d'après Rabbi Chaim Vital, et c'est pour ça qu'il dit « Mizé yadlikou ner Hanouka » parce que ce qui symbolise la pureté dans la relation, c'est justement, et c'est pour ça que dans le psaume, on dit Banecha kishtile zetim, sa vive les shulchanecha. Donc on compare les enfants et la femme, donc à la vigne et à l'olivier dans ce fameux psaume que l'on lit. Ratzu letame etam Israël. Toute la force de Yavan, c'était rendre impur le peuple juif. Et c'est ça ce qu'on dit. Qu'est-ce que les Nerot Hanouka viennent? L'etaken ou l'taher. Donc ça vient pour purifier et pour réparer. Et maintenant, j'essaye de comprendre. Donc, quand je vois les Gezerot des Yevanim, mais je commence à voir un peu plus clair. Hein. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient s'attaquer. Si vous rappelez la liste que j'avais commencé à donner la semaine dernière de tous les décrets, ça touche essentiellement. Donc, on voit énormément ce qui touche la femme, le mikvé, on ne peut plus allumer le Shabbat, etc. Donc, la procréation, donc la tsniout, on devait dormir la porte ouverte, etc. Donc, ça touche beaucoup la femme. Et tout le reste, les sacrifices, la menorah, le temple, c'est tout le travail des Kohanim, donc de la tribu de Lévi. Pourquoi, maintenant, je peux comprendre, s'attaquer donc à
Et c'est comme ça que j'avais lu, je vous le relis maintenant, qu'on a tous ces éléments en vue. Le Haetz Yosef, le commentaire sur le Midrash, nous dit Yitachen sheratu lirmoz le maaseh ha'egel. Pourquoi inscrivez sur la corne, vous n'avez pas de Dieu, de part dans le Dieu d'Israël, parce qu'ils voulaient mettre en avant la faute du veau d'or. Et oui, mes amis. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Elle est Elokecha Israël. Donc, elle, lachem chelek beloke Israël. Donc, maintenant, ils voulaient mettre en avant pour les éloigner complètement de Dieu, mais ils avaient un problème. Pourquoi? Parce que qui n'était pas concerné par la faute du veau d'or, et c'est ça le chidouche extraordinaire, merveilleux, qui n'avait pas fauté? Eh bien, la tribu de Lévi. Rappelez-vous que lorsque Moshe descend, mi l'Hachem Elai, ça ressemble un peu mi kamocha ba'elim Hachem, mi l'Hachem Elai, qui a répondu à cet appel? La tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi n'avait pas participé à la faute du veau d'or. Et qui non plus n'avait pas participé à la faute du veau d'or? Les femmes. Donc, qu'est-ce que les Yévanim viennent faire maintenant, mes chers amis? Eh bien, maintenant, ils veulent à tout prix, ben, par leur décret, eh ben, toucher les deux sections du peuple qui n'avaient pas participé à la faute du veau d'or, c'est-à-dire tous les Kohanim et les femmes. Et par qui vient la révolte? Par les Kohanim, les Hashmonaïm, mais aussi par les femmes, que ce soit Yehudit, celle qui a coupé la tête à Holoferne, ou si je dis, comme certaines versions disent, que c'est Hana, la fille de Matatyahu, qui a épousé aussi un Kohen. D'après certains, c'est la femme de Lazare, qui a enlevé son vêtement le jour du mariage. Mais comment? Mais parce que, qu'est-ce que maintenant, si je vais ce soir chez le Seigneur, chez Antiochus, mais qu'est-ce qui va rester? Et comment ils voulaient s'attaquer aux Kohanim? Regardez ce vice extraordinaire des Yevanim. Parce que si jamais une femme est violée, parce que qu'est-ce que ça veut dire violée? Donc, évidemment, pas de son plein gré. Donc, avec ce décret du droit de cuissage, toutes les filles juives qui allaient se marier avec un Kohen, si jamais elles avaient une relation avec un goy, elles devenaient interdites aux Kohanim. Parce que même une femme violée, Lohan Lenou, elle ne peut plus revenir avec son mari s'il est Kohen. Alors, imaginons qu'il n'y a plus de femmes aptes à épouser les Kohanim. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y aurait plus de Kohanim. Qu'est-ce qu'ils visaient, les Yevanim? Qu'est-ce qu'ils visaient? Effacer la tribu de Lévi, qu'il n'y ait plus de Kohanim. Vous vous rendez compte, le vice, ce n'est pas les tuer, non, mais on va s'en prendre autrement. On va empêcher qu'il n'y ait plus de Kohanim qui viennent, et on dit que tout le droit de cuissage, pourquoi ils voulaient prendre toutes les nouvelles mariées, uniquement pour empêcher les Kohanim de pouvoir continuer à avoir des Kohanim. Donc la tribu de Lévi viendrait, chas v'shalom, à disparaître. Et on comprend pourquoi ce sont eux qui se sont réveillés, parce que c'est finalement eux qui sont touchés en premier lieu. Donc on comprend d'où il y a le vice. Pourquoi dans cette haftara, on commence à nous parler de ce qui s'est passé avec les enfants de Yoshua Kohen Gadol? Parce que maintenant, c'est clair, c'est finalement exactement ce qui risquait de se passer avec Yoshua Kohen Gadol. Non, maintenant je comprends que la Haftara, pourquoi on nous parle de ça? Parce que je ne peux pas rester les bras croisés lorsque je vois que la tribu de Lévi est en péril, que ça peut entraîner, Lohan Lenou, la disparition pure et simple des Kohanim au sein du peuple juif. Donc on a compris et que les Kohanim s'attaquaient d'une manière générale aux enfants, parce qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait de Lévim, mais ils voulaient aussi prendre notre place. À savoir, et ça, on va l'entendre beaucoup plus tard aussi, donc vous les Juifs, vous n'êtes plus les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants. Non. Dans la tfila qu'on a rajoutée, on nous appelle les enfants. Et dans le chant que l'on chante, on dit Bene Bina. Nous sommes les enfants parce que nous, on a gardé justement cette flamme à l'intérieur. Et c'est ce que les Chachamim veulent nous faire comprendre ici, mes chers amis. Donc cette flamme, c'est la flamme du peuple juif. Parce qu'aujourd'hui, le danger, ça ne touche pas que les Kohanim. Mais si Lohan Aleinu, un juif, se marie à l'extérieur avec une non-juive, eh ben,
C'est pas qu'il y aura plus de Kohanim, il y a plus de Juifs. Donc cette flamme, c'est à nous de la maintenir, et c'est ça la guerre de Lévi contre Yavan, et c'est ça la symbolique de la colombe. La colombe, c'est pas simplement la paix. La colombe avec l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive qui exprime justement cette sagesse, et on dit que le peuple juif est comparé à l'huile d'olive parce que des fois il faut presser pour qu'il donne ce qu'il y a de mieux. Alors, sans qu'on ait à subir, l'or allez-nous, des épreuves, qu'on soit capable toujours de donner ce qu'on a de meilleur et savoir toujours voir le meilleur, remercier Hachem, jusqu'à qu'on puisse tous se retrouver autour du troisième Beth Amikdash pour allumer la menorah avec le prochain Kohen Gadol très très vite. Amen.